Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va passer de parler d'un autre film que j'ai vu très récemment au cinéma. Il s'agit de Malignante, qui est un film d'horreur. Avant de lancer le jingle, il faut savoir que je suis une grande fan de films d'horreur. Que ce soit le film d'horreur de série Z, qui n'est pas forcément conçu pour être un grand film, mais plus un film à prendre au second, voire troisième, voire trentième degré. Ou le film d'horreur vraiment classique, sérieux, qui cherche réellement à faire peur et pas seulement à faire sursauter ou être un peu cringe. Donc c'est vraiment un genre que j'adore sous toutes ses formes. Et chaque fois qu'il sort un nouveau film, surtout un film d'un tel réalisateur, je me presse dans les salles sombres pour aller le voir. Donc cette fois-ci, c'était le tour de Malignante et malheureusement, ça s'est pas forcément super bien passé. Qu'est-ce que c'est? Avant de s'intéresser au film en tant que tel, il faut s'intéresser à son papa, donc à son réalisateur, James Wan. Mettre James Wan sur un film d'horreur, c'est supposé être un carton plein, puisque James Wan, c'est quand même le papa de la saga d'horreur d'aujourd'hui, qui est Conjuring. C'est le réalisateur du 1, du 2 et du 3, qui sont, en tout cas pour le 1 et le 2, de mon point de vue, des chefs-d'œuvre de l'horreur moderne, qui ont posé un peu les bases des films d'horreur qui sortent aujourd'hui. Autant en utilisant bon, le jumpscare, etc., mais aussi à travers une ambiance très prégnante qu'on peut retrouver dans l'ambiance James Wan. C'est aussi un réalisateur quand même qui a fait un des sauts, c'est aussi lui qui est à l'origine de Aquaman, pardon, je me suis corrigée par la suite. C'est quand même quelqu'un qui a du bagage et quand tu vois ce nom-là, tu t'attends pas à être déçu. Malheureusement, ça a été mon cas, vous l'avez compris. Donc, on va essayer de comprendre quel mécanisme il y a eu au niveau de Malignante qui fait que, bah, pour moi, en tout cas, la mayonnaise n'a pas pris, malheureusement. Venons-en au scénario. L'histoire de Malignante, qu'est-ce que c'est? Alors, sans vous en dire trop, puisque le but, c'est toujours d'être sans spoiler. L'histoire de Malignante, c'est une femme adulte qui est enceinte et qui est en couple avec un compagnon qui, malheureusement, est violent. Et cette femme a un passé trouble dont elle se souvient peu, une enfance difficile. On est sur un personnage principal assez trouble, assez perturbé, qui est dans une situation particulière puisqu'elle est enceinte. Et petit à petit, des phénomènes vont commencer à se produire autour d'elle, à la fois autour de flashbacks ou de sensations qu'elle a, et à la fois des choses qui se passent réellement puisque la police va se retrouver mêlée à l'affaire. En soi, c'est un scénario assez classique, enfance perturbée qui ressurgit avec personnages mystérieux et souvenirs un peu troubles, médico-psychiatriques. Voilà, on est sur quelque chose de pas très original au niveau du film d'horreur, mais c'est pas du tout un problème. Le film d'horreur, c'est il y a quand même des codes qui sont assez pavés. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites et il y a des choses qui fonctionnent et qui peuvent être refaites. À partir du moment où on apporte un élan nouveau, je veux dire, la source de la terreur peut se ressembler en fonction des films. Là où moi j'ai été déçue, bon déjà c'est le casting qui pose problème, que ce soit l'actrice principale qui a pas un panel d'émotions énorme et qui des fois a des réactions, alors j'imagine que ça vient aussi de la direction du film, mais qui a des réactions pas d'humain normal. Si vous entendez des hurlements, c'est mon petit Sissi qui est là. Viens, tiens, bonjour Sissi. Viens là mon bébé, regarde. Oh qu'est-ce que tu es beau. T'es mon film de chat d'horreur toi. T'es mon chat de film d'horreur? Mon chat de sorcière? Allez, donc oui, ça vient probablement de la direction de l'actrice, mais c'est vrai que il y a des moments, elle a des réactions qui sont pas forcément les réactions normales d'un être humain normal, du coup t'as forcément du mal à t'identifier, alors que c'est le personnage principal, déjà on est sur un problème. Ensuite, on nous présente une maison. Donc, vous savez que dans les films d'horreur, la maison, c'est un lieu central. En plus, on a quand même un contexte un peu de home invasion, en tout cas au début du film. Donc, la maison est censée être un lieu d'angoisse, mais au final, cette maison, elle est assez secondaire et elle engendre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de malaise qui est provoqué par cette maison, ni de la façon dont elle est amenée dans le film, ni au niveau des décors, ni au niveau des lumières. Donc c'est ni le contexte de base, c'est-à-dire un problème d'identification au niveau du personnage principal et un problème une angoisse qui prend pas. Déjà, moi, déjà, ça m'a déjà un peu sorti du film.
Après, donc on va avoir tout un panel de personnages qui arrivent, notamment les personnages des deux policiers qui, eux, j'ai trouvé plutôt pas mal en soi, chacun dans son style, un petit peu, chacun un peu cliché, mais j'ai trouvé ça pas trop mal. Le personnage de la sœur, un peu gratuit, qui apparaît comme ça tout d'un coup. Bon. Elle apporte de la fraîcheur et quand même du rythme au film, donc en soi, elle est très utile, et elle fait un peu avancer l'histoire, mais oui, voilà. Disons que tout tombe un peu pouf comme une goutte, comme ça, là, ça apparaît. Bon, d'accord, ça s'ajoute au scénario, très bien, pas de souci. Les musiques, j'ai vu le film il y a une semaine et j'en ai quasiment pas souvenir. C'est-à-dire qu'elles m'ont pas transportée, elles étaient pas prégnantes, elles m'ont pas marquée non plus, elles ont pas apporté ce contexte horrifique. Donc clairement, les musiques passables, voire même transparentes et inutiles. Donc là encore, très dommage dans le contexte d'un film d'horreur où quand même la bande sonore, que ce soit le silence, l'usage du silence, ou que ce soit l'usage de la présence sonore, c'est quand même censé être important dans un film d'horreur. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est là que moi j'ai pas retrouvé James Wan. James Wan, c'est des musiques très prégnantes. Je veux dire, Conjuring 1, Conjuring 2, les musiques, elles sont pas là pour rien. Les musiques, elles t'annoncent le moment de tension. Les musiques, elles viennent en rajouter une couche dans les moments d'horreur. Donc, j'étais un peu interrogative de ce côté-là. Il y a quelques plans de cinéma qui m'ont rappelé sa patte, notamment un plan dans la maison, à peu près à un tiers du film, où les pièces sont filmées d'en haut et on voit le personnage se déplacer, c'est-à-dire nous on regarde d'en haut et on voit le personnage passer des couloirs aux pièces. Ça c'est très très James Wan, mais c'est vraiment 2-3 moments dans le film et le reste du temps c'est très classique. Il y a des moments qui font limite Matrix, mais Matrix dans le sens où Matrix c'est un film qui est sorti il y a 20 ans quoi. Donc il y a des cascades qui font pas du tout modernes, qui sont pas du tout filmées de façon moderne. Donc j'ai pas trop compris. Vouloir faire une ambiance un peu vintage, ça peut fonctionner au niveau de l'horreur. Je veux dire, le vieil asile, le vieux château. Oui, il n'y a pas de souci. Franchement, même le vieux téléphone qui fait dring-dring à l'étage, c'est hyper vintage et c'est ça peut être hyper flippant. Mais disons que l'intérêt du cinéma de James Wan, c'est qu'il apporte une forme de modernité et de nouveaux codes. Il a même pas réutilisé ses propres codes dans son film. Donc j'étais un peu interrogative, puis il y a plusieurs moments qui n'ont pas de sens. Il y a un moment, une personne débranche les lumières, entend du bruit dans la nuit. Bon, elle est encore à côté du branchement. Le comportement logique d'une personne normale, c'est que tu rebranches la lumière, tu regardes pourquoi il y a du bruit, en fait. Tu vas pas t'enfoncer dans le noir pour le plaisir. Enfin, j'étais. Enfin, voilà, le film, la logique du film, le fil conducteur du film. Tu sors souvent en fait de l'histoire en te disant mais je suis en train de regarder quoi? Pourquoi elle prend cette décision? Ça n'a aucun sens. Enfin vraiment, il y a beaucoup de moments où t'es plus en dehors du film en train de juger les actions du personnage qu'en train de s'identifier à l'intérieur de l'action. Après, au niveau des rebondissements du scénario, oui, assez prévisible. Personnellement, je l'ai vu venir, mais je suis allée le voir avec des amis et on n'avait pas tous vu venir la même chose, donc de ce côté-là, pas mal du tout. Disons que en cinéma, il y a une sorte d'engagement entre le réalisateur et la personne qui regarde, où on essaye, nous on accepte un peu les TGCM, les ta gueule c'est magique, je te pose pas trop de questions, mais en échange, il faut que ça fasse sens. C'est-à-dire que si je prends un exemple, pas du tout dans le film pour rien vous spoiler, par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, oui, les elfes vivent sans et des bananes années, on te l'explique pas. Tu l'acceptes, ok, tu es toi en tant que viewer, que spectateur, tu acceptes ce fait. Et à côté, eux, du coup, à partir du moment où ils ont posé cette notion, il faut que ça fasse sens et que ce soit cohérent dans tout le film, parce que sinon, forcément, t'es largué. Et là, ben, au niveau de ce fameux problème qu'a la femme dans le film, la cohérence, tu t'assois dessus, quoi, sévèrement. C'est-à-dire qu'on essaie de te balancer deux, trois trucs au début. Évidemment, t'en apprends plus tout le long de l'enquête, mais à la fin, t'es en mode ah oui, ah non, ah non, on m'avait pas vendu ça. Ah non, mais là, c'est carrément. Enfin, je veux dire, disons que ce film avait du potentiel au niveau de ce qu'ils ont essayé de faire. Je vous dis, ce petit côté vintage, un peu ce petit côté, on veut garder dans vieux ramener de vieux codes du cinéma d'horreur autour de l'hôpital, autour des problèmes médicaux, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce soit au niveau du casting, de la réalisation, de l'image, de la photographie ou de la musique, il n'y a rien qui m'a convaincue.
Et ça a quand même été une bonne déception. Parce que moi, James Wan, c'est quelqu'un que j'apprécie quand même. Je pense qu'il est quand même capable de faire des choses très bien. Alors, je sais pas si c'est un problème de budget, si c'est un problème d'entente dans l'équipe, etc. Le réalisateur ne fait pas tout de toute façon. Mais ça a quand même été une certaine déception. Voilà. À voir à ses prochains films. J'imagine qu'il n'y aura pas de suite à Malignant parce que s'ils font une suite à ça, puis le succès en salle n'a pas l'air crédible. Après, soyons honnêtes, j'ai quand même passé un moment sympa au cinéma, et puis voilà, on a des petites private jokes avec les gens avec qui je suis allée le voir maintenant parce qu'il y a des trucs tellement what the fuck et tellement improbables que ça en est devenu des private jokes entre potes parce que ça nous fait rire quoi. Donc, dans l'absolu, si tu le prends au 15e degré, peut-être que c'est un film qui peut s'avérer au final assez drôle. Même les côtés gore du film sont pas forcément. Soit tu vas dans l'excès et dans ce cas-là le côté gore devient drôle, cynique et exagéré. Soit tu fais un truc gore assez réaliste et dans ce cas-là c'est flippant et ça te met mal à l'aise. Là on est dans un entre-deux un peu pas terrible, un peu pas très confortable où on sait pas si on doit rire ou trouver ça hyper flippant. Et hyper malaisant. Donc, c'est vraiment dommage, comme je vous l'ai dit, mais bon, bah, c'est des choses qui arrivent. À voir sur la prochaine réalisation de James Wan, ce que ça donnera. Au niveau des points forts du film, une envie de retourner aux sources et à des codes un peu plus vintage. Une très belle affiche, il faut reconnaître que l'affiche est magnifique. Quelques décors qui valent le détour, mais en plus qui sont pas forcément centraux, donc c'est quand même dommage. Et on s'arrête là au niveau des points forts. Au niveau des points faibles, le casting, notamment l'actrice principale, la façon. Alors, ça vient pas forcément d'elle, comme je l'ai dit, ça vient peut-être aussi de la direction de l'acting. Mais voilà, le casting qui personnellement ne m'a pas du tout convaincue. Les décors, la maison centrale, la maison qui est au centre de l'affaire, pas convaincue non plus. Les rebondissements et la rupture de crédulité et d'engagement de crédulité entre le spectateur et le réalisateur, c'est-à-dire que on accepte beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, quand ça fait plus sens, ben, on est largué et tout ce qu'on voit, c'est que ça ne fait plus sens. Et pour finir, malheureusement, décor, costume, et même, pour James Wan, c'est triste à dire, mais même. La photographie et l'image et le son, enfin, je veux dire, le tout fonctionne pas ensemble. J'avais plus l'impression de regarder un film des années 2000 qu'un film moderne qui va exploiter des codes modernes comme James Wan a pu nous en proposer dans ses autres films d'horreur. À part quelques scènes dont je vous ai parlé qui sont à sauver, c'est quand même très dommage. Voilà. C'était mon avis sur Malignant. Malheureusement, on commence avec un avis film d'horreur assez désastreux. Je suis désolée. Mais vous inquiétez pas, je suis une grosse adepte de films d'horreur. Donc, à un moment ou à un autre, on va devoir en reparler. Puis, il y a quand même des sorties assez sympas qui sont annoncées pour la fin d'année, début d'année 2022. Donc, on aura de quoi faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour un petit retour cinématographique, littéraire ou pour quoi que ce soit d'autre qui me passera par la tête et que j'aurai envie de filmer.